Et dans ces 3 jours, il passait. Depuis la Banque centrale, il révoque la licence de Bremer Bank. Ces 3 jours, il passait. Et en 3 jours, si nous pratiquons, manège la situation, je pense que nous pouvons rentrer dans une grave crise sociale là aujourd'hui dimanche. L'idée de l'opposition, il appelle ça un tremblement de terre. Il peut pas tout dire tout. Et c'est essentiel donc qu'il nous dépasse le cadre politique et qu'il nous passe l'intérêt national en premier. Donc la première chose que je fais, je informe les 3 dirigeants de l'Alliance Les Peuples, gardez-vous au courant. Deuxièmement, mon téléphone de l'opposition, Paul Béranger, mon téléphone hier encore, je fais briefly totalement. Je fais briefly totalement le tout ça qu'il nous peut faire actuellement. Bremer Bank, tous ces clients, les 56 ou 58 000 clients, sont tous totalement couverts par l'État mauricien. Mon bizin donne sa garantie là pour qu'il dit pas perdre confiance. Deuxièmement, nous finissons aussi prendre l'engagement que les 400 employés de Bremer Bank, en DO, le top management, les 400 employés donc, pour un âge d'emploi garanti. Au niveau BAI, nous finissons faire mêmes affaires encore. Nous finissons prendre, nous les deux gouvernements, nous finissons dire qu'ils nous peuvent prendre responsabilité totale puisqu'il y a 137 000 polices d'assurance. Donc nous venons dire qu'il nous peut créer une nouvelle identité, une nouvelle entité plutôt, qui à partir de lundi, la semaine prochaine, peut prendre en charge environ 138 000 polices d'assurance. Ça veut dire qu'ici un Dimoun, un Mauricien qui a une police d'assurance, ce police d'assurance arrive à terme, même demain, les garanties qu'il y a pour collecter la totalité de l'argent qu'il doit dire. C'est ça l'engagement qu'il nous prend. Que tout ça va de police d'assurance là, garantie par l'État mauricien. Ça veut dire que demain, dirigeant SBM, dirigeant Bremer, plus Banque de Maurice, Zouen, met tout en place pour la transition, pour qu'il y ait une transition faite dans les conditions les meilleures possibles. Et je me donne, vous avez dit moi une excuse pour ça, mais je me demande l'équipe donc qui va travailler là. Je me donne 24 heures. Je me donne une grosse résistance. Les ministres discutent beaucoup. Je me donne 24 heures. Et je me donne demain soir, je tiens à communiquer pour dire que mon client Bremer est capable maintenant, mardi matin, à faire une transaction avec la banque. L'extraordinaire, je vous dis, il paraît facile. L'extraordinaire, si nous réussissons demain soir, je me donne confiance qu'ils ont pouvoir faire. Et Pricewaterhouse, et Bremer, et aussi la Banque de Maurice. Donc demain, mon client ne faut pas aller à la banque. Parce que la banque travaille pour la transition. Tout staff travaille pour qu'il y ait une transition, pour que le nouveau management vienne opérationnel le plus vite possible. La même chose applique aussi au niveau BAI. Donne-nous ça minimum les temps qui nous besoin pour la transition de management qui est indispensable. Si jamais, malgré tout, il y a encore un petit monde qui est dans le compte Bremer et qui veut penser ferme notre compte. Vous pouvez demander aux autres de réfléchir 10 fois, réfléchir 100 fois, réfléchir 1000 fois avant de faire un compte dans Bremer. Parce qu'actuellement, c'est la seule banque qui a une garantie totale de l'État. Jamais autres l'argent capable de plus safe qui est actuellement dans Bremer. Parce que c'est la garantie de l'État qui ne donnait pas au gouvernement. Là. Nous pouvons créer une nouvelle entité qui peut prendre la relève donc de BAI, assurance. Hein. Insurance. Quant à la banque, quant à SBM, au fait, nous payons actuellement, nous joignons hier, nous payons encore demain, nous payons de la meilleure formule qui est capable d'exister parce que la SBM aussi, c'est un holding côté à la bourse de Paul. Nous n'avons pas qu'à jouer avec tout ça là. Nous n'avons pas qu'à dire SBM, nous prenons un autre la banque. Ce qui est important pour le moment, la formule idéale, nous ne presque finalisons. Une petite patience. Nous avons par exemple le fait, nous avons 24 000 Dimoun qui rentrent dans le single premium scheme et c'est là qu'on a le plus de problèmes. C'est là que ça 4 000 Dimoun là, une place
22 milliards de roupies. Donc, on prend en compte tout ça. Ça peut venir après. Donc, nous devons bouger étape par étape. Étape par étape pour que le pays le moins traumatisé dans le process. Le pire derrière nous. Le pire, c'est quoi? Le pire, ce n'est pas l'argent, ni l'emploi. Le pire, c'est le social. Étant la crise éclatée, mon plus grand appréhension, ce n'était pas mon compte en banque, qu'est-ce que vous pouvez dire. Non, c'était le social. Nous fait une crise sociale majeure, ça, trois jours. Nous pouvons obliger de l'avant très vite avec un projet de loi. C'est Rochic qui amène sur un projet de loi pour que Ponzi Scheme arrête dans le pays. C'est tout bizarre de comprendre qui fait quand Paul Béranger pose Xavier Duval le PNQ de 2013, qui fait répondre ça, c'est comme ça. Parce que c'est à l'époque-là. Il y a un seul dimoun qui peut répondre plus bonne question, le BAI, dans le gouvernement. Le Premier ministre. Je ne vais pas aller à le bon sujet comme ça, parce que vous avez tout réalisé en même temps que BAI, finalement, Daoud Rawat, lui-même, finalement, a une relation extrêmement, une relation entre Daoud Rawat et Navin Ramgoulam, toxique. Pas le mot. Toxique.